Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui consiste ici à finalement calculer un champ E et un champ B en statique dû à une distribution de protons en mouvement dans un faisceau. Donc on me demande de rappeler dans un premier temps les quatre équations de Maxwell, donc ça c'est quelque chose que vous devez connaître absolument par cœur, div de E égale rho sur epsilon 0, div de B égale 0, rotationnel du champ électrique est égal à moins dB sur dt, et rotationnel de B est égal à mu 0j plus le courant de déplacement, mu 0, epsilon 0, dE sur dt. On me demande de les simplifier dans le cadre d'un régime stationnaire, donc en stationnaire. On retrouve les équations tout simplement sous forme locale des théorèmes qu'on a pu utiliser cette année. Donc on a div de E égale rho sur epsilon 0, qui est le théorème de Gauss, qui est l'équivalent du théorème de Gauss sous forme intégrale. On a div de B égale 0, qui est l'équivalent de la conservation du flux de B. On a rotationnel de E, qui est égal à 0, ce qui nous avait permis de définir E sous la forme moins graduant de V. Et enfin, on a rotationnel de B, qui est égal à mu 0j, ce qui est l'équivalent du théorème d'Ampère sous forme intégrale. Définir la densité volumique de charge ρ à l'intérieur du faisceau, ainsi que la densité volumique de courant. Donc là, ce sont des formules de cours. On a un faisceau dans lequel on a n porteurs par unité de volume de charge plus E. Donc là, c'est par définition. Hein. Donc on a que ρ est égal à n fois E, et on a que J est égal à n E fois V, c'est-à-dire ici n E V0 EZ. Voilà. Déterminer le champ électrique pour un point M à l'intérieur du faisceau. Bon, bah ici, on va utiliser tout simplement un théorème de Gauss, puisque l'on est en stationnaire. Donc, on va pas s'embêter. On va appliquer un théorème de Gauss. Donc, évidemment, pour cela, il faut commencer par les symétries et les invariances. Il faut se rappeler un petit peu comment on fait un théorème de Gauss. C'est des choses à ne pas oublier. Donc, l'intégrale sur une surface fermée de E scalaire ds est égale à rho sur epsilon 0. Donc, on va prendre un point M. Alors, il nous demande de le prendre à l'intérieur. On va travailler en coordonnées cylindriques. Évidemment, pour un faisceau cylindrique, c'est plus agréable. Donc on a que MERZ qui est le plan qui tranche le cylindre selon la verticale, et MERθ puisqu'on va considérer le faisceau infini ici. Donc là, on va considérer le faisceau infini. Je regarde si c'est précisé, c'est pas vraiment précisé. Donc on va supposer le faisceau infini MERθ, hein, sont des plans de symétrie. De ρ, donc de E, par principe de Curie. Donc on en déduit que E est égal à ER de Rθz selon ER. On néglige ici les effets de bord. C'est-à-dire que le cylindre est supposé infini. Et ensuite, on a invariance de ρ, de la distribution de charge, selon tout vecteur EZ. Selon toute translation de vecteur EZ et par translation de vecteur EZ et par rotation d'angle θ. Donc ça nous permet d'en déduire que norme de E ne dépend que de R, et donc finalement que le champ électrostatique va s'écrire ER de R selon ER. Et ensuite, on travaille sur une surface de Gauss qui va être ici un cylindre qui contient le point M. On va essayer de faire ça plutôt bien. Symétrique évidemment par rapport à l'axe. Il faut qu'il soit d'axe Z, ce cylindre. Donc voilà ma surface de Gauss. Donc le théorème de Gauss
me dit que l'intégrale sur la surface violette fermée de E scalaire ds est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Ici, là, j'ai mélangé les deux, hein, c'est évidemment Q intérieur dans le théorème de Gauss, pardon. Et ce n'est pas l'équation locale. Et donc, de cela, on en déduit que l'intégrale de E scalaire ds est égale ici à l'intégrale sur S1 de E scalaire ds 1 plus l'intégrale sur S2 de E scalaire ds 2 plus l'intégrale sur la surface latérale de E scalaire ds lat. Comme le champ est porté par ER, eh bien les surfaces que j'appelle S1 et S2, qui sont les surfaces des couvercles, vont être nulles en intégrale, puisque le champ va y être orthogonal. Et donc, on va se retrouver avec le cas classique de 2πr fois h fois e de r. Et la charge intérieure, comme on est uniquement à l'intérieur du faisceau, eh bien, on se retrouve avec q int qui est égal à pi r carré petit h fois rho. Et donc, on en déduit que le champ e de r est égal à pi r carré h rho sur 2πr h epsilon 0. Et donc, E de R est égal, les h se simplifient, les pi aussi, à rho R sur 2 epsilon 0 ER. Voilà, on vérifie. Ça m'a l'air plutôt bon. Les pi se sont en allés, les 2 pi. Donc voilà pour E. Alors remarque, on aurait pu utiliser l'équation locale. Avec l'équation locale, div de E est égal à rho sur epsilon 0. Or, au vu des symétries et des invariances que l'on a étudiées, div de E, comme E ne dépend que de R et est porté par ER, au vu de l'énoncé, c'est égal à 1 sur R d sur dr de R E de R, qui doit être égal à rho sur epsilon 0. Et ensuite, on intègre, ça nous fait que d sur dr de RER est égal à rho R sur epsilon 0. Donc, que RER est égal à rho R2 sur 2 epsilon 0 plus une constante. Et donc, que ER est égal à rho R sur 2 epsilon 0 plus A sur R. Et comme le champ ne peut pas diverger en R égale 0, puisqu'il n'y a pas de singularité, on en déduit que ER est égal à rho R sur 2 epsilon 0. Voilà, on retrouve l'expression qu'on a obtenue. Alors on pourrait remplacer maintenant également rho par NE. Ça fait NER sur 2 epsilon 0 ER. Donc voilà, c'était l'occasion de refaire un théorème de Gauss. Alors pour déterminer B, on va utiliser le théorème d'Ampère. Alors là, je ne vais pas le refaire parce que c'est vraiment un grand classique. Théorème d'Ampère, avec J qui vaut tout simplement NEV0EZ. Donc c'est l'équivalent du fil parcouru par une densité uniforme de courant. Et dans ce cas-là, on a obtenu Bθ fois 2πr. Donc ça, c'est dans le cours, hein, j'essaye de me rappeler, donc c'est la circulation qui vaut mu 0 fois i enlacé, et i enlacé c'est j fois pi petit r carré, donc autrement dit bθ vaut mu 0 j sur 2 fois petit r ici. Donc ici on en déduit que le champ B est égal à mu 0 n e v 0 divisé par 2 fois r selon Eθ. Voilà, donc je ne refais pas la démonstration intégrale. Je vous invite, il y a des vidéos sur ma chaîne où je fais le calcul du champ magnétique créé par un fil infini parcouru par une densité volumique de courant uniforme. Donc voilà, je vous renvoie à ces vidéos-là. Et enfin, déterminer la force subie par un proton. Bah, le proton subit la force de Lorentz. Donc F
est égal à Q fois E plus V vectoriel B, c'est-à-dire E fois E0, pardon, fois E, ER, ER, plus V0 EZ, produit vectoriel Bθ selon Eθ, c'est-à-dire E fois ER, ER. EZ vectoriel Eθ, pardon, va me faire moins ER, moins mu0 NE V0 carré sur 2 R ER. D'où, si on simplifie un petit peu tout ça, la force va être égale à ER, on a obtenu rho NER sur 2 epsilon 0, donc E fois NER sur 2 epsilon 0 ER, moins mu0 NE V0 carré sur 2 R ER. On peut factoriser par NE carré R sur 2 ER. Facteur de n e carré r sur 2, il reste 1 sur epsilon 0 moins mu 0 v 0 carré. Et là, on va utiliser la dernière donnée de l'énoncé qui est que mu 0 fois epsilon 0 fois c carré est égal à 1. Donc, je vais factoriser également par mu 0. Ce qui fait que je dois diviser par mu 0 ici. J'ai plus de mu 0 ici. Et donc, je me retrouve avec c carré n e carré r sur 2 mu 0 er fois C carré moins V0 carré. Et comme c'est non relativiste, c'est à peu près égal à mu 0 N E carré R sur 2 C carré selon ER. Donc on a une force selon plus ER. Donc le faisceau diverge, tout simplement. Donc voilà pour la correction de cet exercice qui nous a permis de revoir un petit peu le calcul de champ statique. Il ne faut pas oublier ce que vous avez appris précédemment, c'est-à-dire le calcul des champs statiques, même si maintenant on passe dans le cadre de l'électromagnétisme général. Donc j'espère que la correction vous a plu, qu'elle était claire, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.